ces personnes qui nous gouvernent aujourd'hui, qui sont en train de faire souffrir le peuple. Il faut avoir pitié du peuple. Nous qui parlons là pour défendre le peuple, on ne se moque pas de vous, on ne vous manque pas de respect. Mais Ogarogi Bori, population Yara, vous n'avez pas pitié de cette population. Hé, Kassori, vous êtes méchant. Alpha, lui, il n'est même pas guinéen. Je ne vais pas lui parler. La vidéo là est dédiée spécialement à nos cadres, les sociétés civiles, les religieux. Aujourd'hui, c'est un vendredi. Vous allez beaucoup nous excuser. Vous allez beaucoup nous excuser, beaucoup nous excuser. Mais là où nous sommes là, nous sommes prêts à tout pour vous. Là où nous sommes là, nous sommes prêts à tout pour vous. Imam, oui, vous n'êtes plus là. Les imams, vous n'êtes plus là. Les imams, nos imams, vous n'êtes plus là. Nos prêtres, vous n'êtes plus là. Vous êtes tous devenus des marionnettes du président et de son premier ministre. Les sociétés civiles, vous n'êtes plus là. On voit aujourd'hui, les gens sont en train de... Mais, Rick, c'est-à-dire, comment on peut déguerpir des gens de Kaloum jusqu'à Bokeh sans préparer quelque chose pour eux? Comment on peut faire ça? Mais vous êtes méchants! Mais on y a où? Kassori! Monsieur le Premier ministre d'Alpha Condé, Ibai était Qatari. Sosodi na nera iba renye na torofe bayete katari wondo wombiri wonya tiriera. On est en train de les observer. Kassori ne cherche que son intérêt derrière Alpha Condé. C'est rien, c'est-à-dire ce n'est pas autre chose, c'est seulement son intérêt. Sinon il n'aime pas Alpha. On sait tous que Kassori n'aime pas Alpha Condé. Wallahi billahi, je mets ma main sur le Saint-Coran, Kassori Fofana, il n'aime pas Alpha Condé. Il est juste là, derrière Alpha Condé, pour son intérêt, pour s'enrichir. Donc, Kassori, vous ne pouvez pas réfléchir maintenant, dire que maintenant c'est bon. Depuis 2000 combien, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en train de prendre, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au peuple. Depuis Conte Ratan, l'héritage que Conte a laissé pour les Guinéens, c'est vous normalement, les jeunes qui sont venus dans le gouvernement de Sidia, vous, Selou, et là Selou, notre président, qui encore, votre groupe là, il y a beaucoup là-bas. Vous étiez la relève du fait général Lansana Conté. Mais vous vous êtes écarté du jeu. Vous avez volé de l'argent pour partir aux États-Unis. Vous ne pouvez pas réfléchir maintenant, dire aux Guinéens que ça va, c'est bon. Pensez au peuple. C'est moi qui le dis. Kassori Fofana, il n'aime pas Alpha Condé. Il est juste pour son intérêt. Juste. Tous les cadres sous-sous qui sont derrière Alpha Condé, personne n'aime Alpha Condé. Alpha, si on vous cache ça, moi je vais vous dire ça aujourd'hui. Tous les cadres qui sont derrière Alpha Condé, les cadres sous-sous, je dis bien, les cadres sous-sous qui sont avec Alpha Condé, personne ne l'aime. Ils sont tous là derrière lui pour profiter de lui. Mais c'est son problème à lui. Parce que lui aussi, c'est un président malhonnête. Donc quand on est malhonnête, on chemine avec des personnes malhonnêtes. Maintenant, nos imams aujourd'hui, et là je m'en ai dû saluer au premier imam, que je respecte beaucoup, les prêtres
des religions catholiques que je respecte beaucoup. Vous ne voyez pas la souffrance du peuple. Vous ne voyez pas la souffrance du peuple parce que vous êtes les premières personnes à venir dire qu'on va s'asseoir sur les tables de dialogue. Vous êtes les premières personnes. Les premières personnes. Cette pauvre population qui est en train de souffrir aujourd'hui, qui sont en train de perdre leur maison, qui sont en train de perdre leur magasin. Il y a certains partis à la Sigma Dina qui ne sont pas des guerpilles parce que il y a un monsieur là-bas qui est ami ou qui est complice de Alpha Condé. Et on ne l'a pas déguerpi. Maintenant, les cadres sous-sous qui sont là pour la basse-côte, qui devaient être là pour la basse-côte, Kassori, il s'en bat les couilles qu'on dégage les boutiques des sous-sous. Il s'en fout. Tous les cadres sous-sous qui sont derrière Alpha Condé. Est-ce que vous avez vu un coin des sous-sous ou un coin des peuls ou un coin des autres ethnies, des forestiers qui ont des relations directes avec Alpha Condé qui ont été épargnés? Non. Mais les coins des personnes malinquées qui sont directement liées avec le pouvoir, ces coins-là ont été épargnés. Ces coins-là ont été épargnés. Oui. Ça a été épargné. Vous avez vu la vidéo, ce qui se passe à la Sigma Dina. Parce que oui, ceux-ci-là, ils disent quoi? Nous pensons à nous. Mais nous, nos cadres sous quand tu parles, et Fala, et Nafouté Fema, ou bien Eye Kumbima, Asoriki, Aminiriki. C'est incroyable, cette méchanceté. Maintenant, moi, je dis, la bataille de Kirina qui est en train de se faire entre les gens du RPC et les arcs-en-ciel de maintenant, les cadres sous-sous qui sont derrière Alpha Condé, wallahi billahi, j'ai les audios. Je vous le jure que j'ai les audios. Personne n'aime Alpha Condé. Et bien, il n'a profité Feinara. Il y a intérêt dans le Qatar. Donc, il y aura intérêt Qatar. Au moment la Guinée, il y a l'idée. Au moment la Chouchou, il y a l'idée. Au gars, il y a l'idée. Il y a l'idée. Vous dites maintenant que stop. Stop, c'est bon. Stop, c'est bon. Depuis 1996, Kassori, il m'a dit, stop, c'est bon. C'est bon. Depuis 1996, il m'a dit, mais Nebarafa, Alpha Condéra, gouvernement, oui. Il m'a cessé la barre sur ce lieu. Tu n'as rien fait pour ton. C'est-à-dire, il m'a cessé la barre sur ce lieu. Faut groupe d'une rien et fora. Notre groupe dit Ibrahim Ninan et Demadou Mefora. Mais le bilan de Kassori Fofana de 1996 jusqu'à aujourd'hui est nul et non avenir. Négatif. On ne peut pas sortir un endroit pour dire que c'est le Kassori qui a fait ça en Guinée. On ne peut pas sortir un coin en République de Guinée pour dire que c'est Kassori qui a fait. Personne ne peut le faire sortir. Qui peut le faire sortir? Qui peut dire que je mens? Et c'est vous qui osez sortir, dire aux Guinéens que oui, de se préparer, les temps à venir vont être durs. Si vous êtes parti voir les Blancs là, ils ne vous ont pas donné l'argent pour que vous puissiez encore vous enrichir. Nous, nous vous disons que stop, ça suffit. Le peuple a assez souffert. Il faut que les gens soient yara. Il y a quand il y a intérêt, Qatar a une famille. Vous pensez, il y a famille dans ton Qatar. Il a dit, Moussé, vous pensez qu'à Moudama, vous pensez que ça ne va pas s'arrêter? Vous pensez que la vie là, c'est éternel? Okeliri Ahmed Bakoyokora enterrement Nenegi. Regardez la population. Miretonatama. Les gens sont en train de dormir dans les rues. Les gens sont en train de dormir dans les rues chaque nuit. Pendant que vous, vos enfants sont couchés chez les Blancs. Avec tout le confort. Les gens sont en train de dormir dans les rues avec les poussières, les maladies. Cette population que vous dites que vous allez défendre, cette population qui a eu confiance en vous, mais que ça rentre dans leur bouche et que ça sort sur leur... Non mais putain, c'est révoltant, c'est révoltant. Womba renyé, ngawe wobe soukoui.
wotore na kan kalifeki woyi khanim handunye nyom woyi tore khanim handunye nyom woyi fefini politika. Vous avez politisé l'affaire là. Vous dites que c'est les peuls qui vont casser. Les maisons, c'est les maisons des peuls qui vont casser. Parce qu'ils ont, ils vous ont fait un jeu. Ils ont commencé par Kindia, chez l'âge sans loi. Et l'âge sans loi, c'est un milliardaire. Il a l'argent. Lui et sa famille vont manger son argent jusqu'à ce que lui meure, ses enfants meurent, ses petits-enfants meurent. Ça va chez lui, malgré tout. Mais regardez aujourd'hui, nos parents qui n'ont rien, qui n'ont rien, ce peuple de Guinée qui n'a rien, qui n'ont nulle part où se mettre, c'est-à-dire nulle part où se mettre la tête. C'est eux qui sont en train de mettre dehors. Pendant que leurs enfants sont en train de dormir dans les grosses maisons, dans les maisons des villas luxueuses à l'extérieur. Vous êtes méchants, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas peur de Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu depuis 1996 jusqu'à maintenant. Si les Blancs ne vous ont pas donné l'argent, Kassori Fofana, il ne faut pas venir mettre ça sur le peuple. Parce que je vous ai dit ici avant-hier, quel est le problème aujourd'hui? Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Les caisses sont vides. Ils ont tout pris pour s'éterniser au pouvoir. Tout. Tout donné dans les, chez les marabouts, les marabouts d'Inde, pour que les gens là appellent les diables pour eux, pour que les diables puissent manipuler tout le monde. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ils n'ont plus d'argent. Vous savez que le franc guinéen ou que l'argent en Guinée, c'est faible. Quand tu pars voir des grandes personnes comme ça là, qui pensent, qui disent, tu leur demandes que c'est pour le pouvoir, ils vont te demander des millions de dollars, des millions d'euros. Il faut que tu leur donnes. Ils n'ont rien à leur là. Rien du tout. Les Blancs n'ont plus confiance en vous. Parce que vous n'êtes pas des hommes d'honneur. Vous n'êtes pas des hommes à qui les Blancs, sur qui ils peuvent compter. Aujourd'hui, quand on parle de ça, il y a des gens qui viennent pour nous dire sortir des conneries. Attention, ils vont te mettre en prison. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Nous, ce que nous défendons, c'est la voix du peuple. Si c'était vos parents, ou si c'était vos proches parents aujourd'hui, est-ce que vous allez les mettre dehors? On a vu ici, Makanera, il a persisté qu'on ne va pas faire casser sa maison. Ça n'a pas été cassé. On a vu beaucoup d'exemples. Ça n'a pas été fait. Même pour Oudi Premier, c'est un plan. C'est juste un plan. Le studio de Oudi Premier, c'est un bunker. On m'a donné des informations. C'est un plan. Ils lui ont donné de l'argent avant qu'il ne fasse cela. Vous pensez que nous sommes bêtes? Vous pensez que ce peuple, Sébiri s'arrête, mané. En Guinée aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour pouvoir manger. Les gens sont prêts à tout parce qu'il n'y a pas l'argent. Les gens sont prêts même à vendre leur âme au diable pour que redégué parce qu'il n'y a pas l'argent. Vous allez nous laisser, c'est-à-dire, vous allez nous laisser comme ça dans cette souffrance. On s'asseye comme ça. Les regarder, un groupe d'individus qui ne dépasse même pas 30 personnes, alors que nous sommes plus de 13 millions d'habitants. On est là assis. On dit, on donne à Allah. C'est vrai, on donne à Allah. Mais les gens là, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Vous mettez ça pour affaire de peul. On veut pas voir un peul au pouvoir ici. Un peul au pouvoir, on ne veut pas. Si c'était un peul aujourd'hui au pouvoir, la manière que vous souffrez aujourd'hui, vous n'allez jamais souffrir comme ça. La manière dont vous souffrez aujourd'hui, vous n'allez jamais souffrir comme ça.
Si c'était notre président, ou ministre Mounta Mamengenambenu, ou Biri, c'est l'Oudalenga victoire reconnue, ou Biri ministre nous, ou Etagiri, ou Afalo, ou Gafoule Famato, ou Moutoro Maï Modelira, mais ou Natore Nankoui, Kassori Befe, mais Raime, Miriomara, Kassori Narena, tonar, il fallait faire tanar. Bah Alpha Condé Moumirio, oui, même, attendant, oui, même. Alpha Condé Moumirio, oui, même, attendant, oui, même. Alpha Condé Moumirio, considéré, attendant, considéré. Kassori Kayo, Moubaskot Kema, Kassori Kay Moumirio, ma. Exemple frappant, Kassori Roy Fourkaria, mou, cessez la barna. Cessez. Il n'a rien fait là-bas. Rien. Rien. Quelqu'un qui n'a pas pu faire quelque chose pour son village, est-ce que lui peut aider un peuple? Est-ce que lui peut changer, faire un changement pour un peuple? Un village. Un village. On a tous vu ici. Pendant combien de temps? Jusqu'à présent. Avant qu'il ne soit premier ministre. Il était quoi? Ministre des négociations de quoi? Ce qu'il a dit, tortue, le mot tortue là, c'est il s'adresse à nous, qu'on est bête. Il faut qu'on met feu derrière eux. Tant qu'on ne met pas feu derrière eux là, nous allons continuer à souffrir. Vous êtes là assis à politiser l'affaire, vous vous laissez manipuler par ces faux types, vous vous laissez manipuler par ces gens de diable seulement qui sont avec le diable parce qu'ils ne prient pas. Je parie qu'ils ne savent même pas réciter la Fatiha ou même les trois derniers versets. Wallah, je vous lance un défi. Ils ne savent pas le faire parce qu'ils s'en foutent. Ils ne pensent qu'à l'argent. Ils s'en foutent. Ils ne pensent qu'à l'argent. On en a marre de voir nos parents comme ça, souffrir, dormir dehors, sans rien. Tu casses la maison des gens sans rien. Et puis vous voyez des vidéos comme ça, les vieilles qui pleurent, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Parce que ce n'est pas vos parents. Alors que oui, en population, on a manipulé. Vos politiques finissent. Être ni fera, ou nous politique fin de foule fait, à ce rica menerike. Ou ta mumbarigné, ou doro, ou nous seigne sa boro fari, ou tore na rangui, ou moumini maïkoui, hanye fou, nous seigne d'engrammi, à ou mouke l'ora ora destin ton go belhara. Et bira kolo ou toro. Sore ma birito, a birin, yire mouna sore moudenre. Tout le monde en a marre de birin. Birin Torori Eira. Et voilà. Birin Torori Eira. Mais, il nous a fallu, et des minias a fallu, à Sourika Minereki, et Terbe Gourobe, et Sourika Minereki, à Wolui Tore. Wolui Tore, Naram Falafé, Wona Toro Naram Kui, la Guinée Ki, la Guinée Di. Ce n'est pas personne d'autre, c'est Kassori Fofana. C'est lui le maître du jeu. Maintenant, je m'adresse à Kassori Fofana. Comme tes espions, tes petits sont en train de me regarder, moi je te dis, je vous dis que Alpha Condé rapproche Bori, ne rien à maninke groupera. Wa falabe amura fan Kassori ma. Alpha Condé, Kassori ne t'aime pas. Kassori ne t'aime pas. Tous les cadres soussous qui sont avec toi ne t'aiment pas. Aucun cadre guinéen ne t'aime. Ils ne cherchent que leur intérêt. Leur intérêt. Maintenant, le truc qui se passe, nos imams, nos prêtres, les sociétés civiles, nos parents sont en train de perdre leur maison. Tu n'entends même pas une personne qui va dire « Ah, la population souffre, il faut attendre tel temps, il faut attendre tel temps. » Vous n'êtes pas sans savoir, c'est le ramadan qui vient. Après le ramadan, l'hivernage, tout n'est l'air, il va. Émirer des guerres privées, c'est le ramadan qui vient.
Après le ramadan, on rentre dans l'hivernage, la saison pluvieuse. Pendant que les gens sont en train de dormir dehors, mais ça attendait. Ou d'un gima aura auto rira briki rabira rira bambe ça. Ou bien fait ou même ou d'un gima aura auto climatiseur et quoi. Ah parce qu'à autant en nana. Affaire birina autant en mon affaire ou ben c'est ce moura. Vous n'êtes que des zéros, des nuls, des zéros. Vous n'êtes rien pour le peuple de Guinée, rien devant Dieu. Et tout ce que vous êtes en train de voler, wa birim loma bene, ou man fafara. Ala manfa ma sengope atanana ala atanana alara a wotourne wona hambili na bafi. Vous n'êtes rien, zéro, hein? C'est moi qui vous dis zéro. Maintenant nos parents, l'histoire de basse-côte au moulangri au mourafan ou mbouruma a won lang wonafan ou mbouruma nous politique faite dans la Guinée Kouinou. Mérire les moutima yare wombe. Mais wou moulang wou mourafan wou mbouruma. Wou makadrin reinana. Et yete nan katari nou ira dembaya. Donc, wou doro, wou raou ra. Ra rili rabi. Wou ne ra yfe vini politique ra. Fou les filles. Tout le problème aujourd'hui, c'est ça. Fou les filles. Ah, moi, m'en fous les raffines de Menguer. Tout le problème aujourd'hui, c'est ça. Histoire de Peul. Peul, Tamoussara. Peul, c'est pas guinéen. Quand on parle de ça, vous pensez qu'on se fait plaire pour les Peul. Si c'était les Peul aujourd'hui qui étaient au pouvoir en Guinée, vous n'allez pas souffrir. Le pays n'allait pas commettre ce calvaire qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Wallahi billahi, sur le Saint-Coran. Je ne parle pas pour me faire plaire. Mais l'histoire retiendra que le peuple de Guinée a été naïf et a créé sa propre souffrance. Le peuple de Guinée a été naïf et a créé sa propre souffrance et s'est tu resté les bras croisés. Nous avons nos grands-parents à Conakry. Nous avons nos mamans à Conakry qui sont dehors. Ils n'ont même pas où mettre la tête. Et pendant ce temps, on dit que, voilà, ce gouvernement ou ces personnes pensent aux populations. C'est dommage. Je lance défi à quiconque qui veut, dans le live là, de venir me défier. Tout de suite, à quiconque. Concernant ce que je suis en train de dire à propos d'Alpha Condé et de son premier ministre Kassourou Fofana, je lance le défi à quiconque tu viens me défier dans le live là, on parle sans injure, j'ouvre les appels. À quiconque, j'ouvre les appels. Au lieu de mettre un commentaire bidon, tu viens me défier sur le live, on va décortiquer et on va décortiquer, tu vas dire le bilan de ton faux président ou le bilan de ton faux premier ministre. Quiconque. Je ne sais même pas. Quiconque.